Ce show-là commençait, j'appelle Maxime. Puis tu sais, on était en train de l'écrire, puis tout. Puis là, j'appelle Maxime, j'ai dit, hey, j'ai une idée pour l'ouverture. Tu sais, nous autres, tous nos projets, on les faisait avec Julien. Mm-hmm. Julien qui est rendu dans un pickball. Puis, tu es d'accord avec ça? Oui. OK. Puis là, j'ai dit à Maxime, j'ai une idée. Le show, là, ça commence. Il y a une petite boucane sur scène. Il y a la musique de Eyes Wide Shut qui commence. Ting, 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 ting. Ping! Ting, 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 ting. Ping! Et là, t'as Julien Bernacchi qui rentre avec un masque, une cape, mais il est complètement tout nu. Un masque blanc, tu sais, neutre, là. Fait que là, il reste dans le milieu de la scène. Nous, on rentre avec nos personnages, parce que c'était dans la série des frites et moules, c'était deux, deux poètes. Fait que c'était ça qui justifiait tout le côté lyrique, là. Et là, t'as Maxime qui fait moule, moi qui fait frites, qui rentre. On fait notre sketch. Julien est complètement tout nu pendant 10 minutes dans le milieu de la scène. On quitte, puis ça ne servait à rien. Ah, oh, génial! Est-ce que vous êtes d'accord que, pour faire ces idées-là, un des trucs qui jouait en faveur des idées, c'est que vous n'avez pas le luxe du temps. S'il y en a un qui fait « Hey, j'ai une idée, on fait la musique d'Eyes Wide Shut, puis que Julien est tout nu », vous dites « Ben, faut le répéter dans 2 semaines, fait que ça va être ça. » Oui, oui, tout à fait, moi, je suis d'accord. Oui, oui, il y a peut-être de ça, puis... Ben, c'est ça aussi, qui écrit de même. T'sais. C'est ça aussi d'avoir un projet en groupe. Quand l'idée clique, c'est ça l'idée. Je me souviens que quand j'avais parlé de cette idée-là à Maxime, j'étais au téléphone, il dit « Ben, moi, j'aime l'idée, mais est-ce que Julien va accepter? » Bon, je m'en occupe de Julien. J'appelle Julien, il me dit... J'explique tout ça, il dit « Oh, ça me tente pas, là! » Mais dans la vie, je dis pas non. Puis là, le premier soir, il est à côté de nous autres, le show commence. Il se crisse à poil. Mais tu sais, au Zoufès, il y a toujours comme un bon 5 minutes de vidéo. Ah, ou des vidéos agressives pop, ouais. Là. Fait que là, lui, Zoufès, il savait pas. C'est la meilleure affaire, bois de l'alcool. Ouais, des affaires de bain. Puis là, lui, il savait pas. Fait qu'il était juste en coulisses derrière avec nous autres. Tout nu, puis il était comme... Puis il dit, « Oh, ça me tente pas, là. Ma belle-sœur est dans la salle. Ah ouais? » Puis je l'ai jamais encore rencontré. Ça n'a pas de bon sens. C'est moment-là, hein? Quelle rencontre! Puis on l'avait pointé du doigt. Il y a la belle-sœur de Julien. Et puis je me souviens que au début ça y tentait pas parce que oui, il y a l'aspect se mettre tout nu 15 soirs d'affilée devant des inconnus, mais ce qui faisait le plus peur, c'est qu'il disait, tu sais, j'ai vraiment pas envie de bander devant tout le monde. Puis là, on était là, bander, puis il dit, ben mettons qu'il y a des belles filles dans la salle, tu sais. Tu vas bander sur scène, comme... Julien? Ah, ben je bande au vent. T'as peur de bander sa scène? Ben, on sait pas, là, mettons qu'il y a une fille en avant, pis ça. Ben, ça se. Voyons, tabarnak, ça fait aucune astuce. Ben, quand on a fait juste pour rire, on a fait un gala juste pour rire avec le numéro de la banane, qui en gros, c'est. Moi, je suis un peintre. C'est pratiquement un numéro muet. Moi, je suis un peintre, puis là, je dis le modèle. Et Julien, il arrive complètement tout nu sur scène. Il s'assoit sur un petit tabouret, mais il y a 3 bananes qui cachent le sexe. Puis, à un moment donné, Maxime, il arrive en personnage. Ouais, il y a une musique de Rachmaninov. Ben, une musique de violon bien triste. Moi, j'arrive en vieille madame, genre hongroise. Puis, je fais signe que j'ai faim. Puis, je vois Julien que c'est banane. Fait que je lui demande, peux-tu me donner une banane? Puis là, il dit oui. Fait que j'ai une banane, je m'en vais. Dom continue à peindre. À un moment donné, la musique de violon, elle revient. Je reviens avec un petit bébé. Puis, je suis comme, oh, on a faim. Puis là, veux-tu me donner une banane? Puis là, quand il m'en reste juste 2. Fait que, il m'en donne une. Puis là, bon, là, on arrive. Il recommence à peindre. La musique, elle repart. Puis là, je reviens avec un petit chien aussi. Mais là, il veut pas me donner la banane parce que là, sinon, il vaut la graine. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il a une idée, c'est qu'il l'épluche sur son pénis. Puis moi, je vais manger à la base la banane. Mais là, moi, ce qui m'avait marqué, là. C'est qu'on est à Place des Arts. On est à Place des Arts, tu sais. On est dans un gala juste pour rire. C'est comme le plus grand moment de notre carrière. Tu sais, c'est un rêve de jeunesse, moi, de faire un gala juste pour rire. Sur le gala des Denis de Relais, en plus, c'est comme l'ultime des honneurs. Tu sais, moi, je suis impressionné. La Place des Arts est pleine à craquer. Puis, moi, je suis en coulisses avec Julien. Puis Maxime, il est de l'autre côté. Nous autres, on est côté jardin. Toi, t'es côté co. Et je suis avec Julien. Puis là, tu sais, moi, je suis comme...
dans quelques secondes, on va réaliser notre plus grand rêve, tu sais. Et là, t'as Julien qui fait juste... Oh, j'ai peur. Encore la même affaire. Oh, j'ai peur de bander, Dominique. Là, Julien, tu ne bandes pas à la place des arts. Il a fallu que je dise ça. Il y a toute une phrase. Tu ne bandes pas à la place des arts. Ouais, mais là, je contrôle pas ça. Ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas. Imagine-tu, c'est capté par Vidéotron. T'as juste, je sais pas combien de millions de personnes qui écoutent. Ben, millions, pas de milliers de personnes qui écoutent. Puis imagine qu'ils bandent. Pow! Mais raconte le gars avec la caméra dans les coulisses. Ah oui, parce que c'est ça. Nous autres, on passait tout de suite après Jean-Thomas Jobin. Mm-hmm. Fait qu'on savait à peu près, il était combien de temps le numéro à Jean-Thomas. Tu sais, Jean-Thomas, c'est pas comme Jean-Marc Parent, mettons, il va pas déborder. T'sais. Fait qu'on savait que dans 5 minutes, on va passer. Fait que là, Julien s'installe, il y a une caméra, puis là, il voit Julien complètement tout nu avec juste des bananes. Fait que là, le caméraman, il est pas con. Il dit, tu sais, ça fait un moment de scène. Fait que là, il filme Julien, pis t'as Julien qui pogne les nerfs. Il pogne jamais les nerfs, Julien, pis fait, ah non, là, toi, tabarnak, là, quand il est ce monde-là. Il a pogné la caméra, il a fait ça de même. Il a poussé la caméra, c'est là, génial. Là, doucement, là, doucement. Oh, doucement. Mais tu sais, il avait raison aussi. Ou bien, tu vas mettre ça dans les bloopers, c'est moi tout nu, je suis pas sûr. Là. Puis la captation de la deuxième, parce qu'il y a deux shows dans la même soirée. Il a choisi 6h, puis il a choisi 9h30. La deuxième captation, t'as Rosalie qui me dit, oh, on te voyait vraiment le peine. Non, elle dit, on revient dans les coulisses, puis Rosalie a dit, Julien, j'ai vu le trou de ton pénis. Génial.